largement atteint puisque nous sommes ici 46 membres sur 71. Donc le quorum est atteint, ce qui signifie que quand on fait une compétition, c'est sûr d'avoir le quorum. Bien, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette Assemblée Générale, de même qu'à la compétition que nous venons de vivre. Je me fais l'interprète de mes collègues aussi pour vous remercier de votre présence tous. Le programme de la soirée, alors il faut quand même préciser, bien entendu, qu'à chaque fois que le GCC organise quelque chose, vous avez pu vous rendre compte que les conditions ont été absolument parfaites. Le parcours a été baigné de soleil, comme nous aussi hier. Et je crois que c'est un hommage que nous devons rendre à notre ami. C'est lui qui nous a envoyé le soleil. Voilà. Je tiens à remercier également les donateurs de l'eau. On a quand même, chacun aura son petit lot. L'exercice 2009, donc on avait des cotisations pour un montant de 2746 euros, les subventions de la mairie, de la municipalité pour 2400 euros. Donc au niveau dépenses, ça s'est soldé par donc, les sorties, on a payé 25 600 euros pour les sorties. Le fonctionnement 20 euros, c'est à dire pas cher, parce que quand on passe beaucoup par internet, donc il n'y a plus de frais de timbre, de téléphone et tout ça. On pourrait être un petit peu plus dans le détail. Si tu veux. En principe, c'est repartant. Seulement si vous permettez, je vais vous faire une petite communication personnelle. Au bout de 15 ans, j'ai le sentiment profond, je pense qu'il faut quand même renouveler un petit peu. Et en ce qui me concerne, je pense avoir travaillé pour le club. Je suis très fier et très heureux de l'avoir fait. Je sollicite de le faire encore un an, sachant que l'année prochaine, à cette même Assemblée Générale, vous devrez à nouveau élire et élire un nouveau président. Je souhaite néanmoins rester au bureau. Je peux peut-être encore, sur le plan relationnel, au niveau golf, apporter quelques aides. Je crois que c'est terminé, que l'Assemblée Générale est terminée. On va voir un pot. Et ensuite, oui. Peut-être que dans la soirée, les personnes ont des questions. Oui. Pour moi, l'Assemblée Générale est terminée. Ceci étant, on peut passer aux questions diverses. Mais tu devais parler d'un sponsor particulier. Tu devais parler d'un sponsor particulier. Ah oui, on va voir ça tout à l'heure à la remise des prix. Ah, car, c'est tiens, il va falloir relever. Ça se relève, ça. Et à la remise des prix, c'est quand même pas inintéressant. On a mis des lots pour hommes et dames. On va commencer par les dames. Troisième dame. Troisième dame. Daniel. Un t-shirt. Oh, un t-shirt. Victor. Qui a été le meilleur aussi bien en net qu'en brut. J'appelle Michel Legrand. Wow. Tu vas le garder un, non? Ouais. Je vais te demander de me le laisser. Et ici, on a 2010, Michel. Ouais. Hein? Tu peux le garder quelques jours et tu le rendras après. Prends un petit apéritif. J'ai dit qu'on allait à table vers 8h, 8h10. Donc, on est dans les temps. Donc, prenez l'apéritif et les petits pots et... Avant d'aller à table, nous avons un sponsor extrêmement généreux, un gros sponsor, qui nous a demandé de tirer au sort le lot. Et c'est un lot magnifique. Rien.
Bernard Cazagou, de la voiture. Avant, on va faire un virage droit.